Good morning, Aleiden. L'étude sera aujourd'hui les Elunishmat Rivka Batsara et Rachel Batsara. Nous étudions Baba Messia, Perek Bet Mishnah Zain. Amar et Aveda, Velo Amar Simaneha, Lo Itenlo. Ve Aramai, Afalpish Amar Simaneha, Lo Itenlo. Sheneemar, Adrosh Achicha Oto, Ad Shetidrosh et Achicha Im Ramai, Hu Imeno Ramai. כל דבר שעושה ואוכל, יעשה ויוכל. ודבר שאין עושה ואוכל, ימחר. שנאמר, ואשב אותו לא, ראה האח תשיבנו לו. מה יהיה בדמים? רבי טרפון אומר, ישתמש בהם. לפיכך, אם עבדו, חייב באחריותן. רבי עקיבא אומר, לא ישתמש בהם. לפיכך, אם עבדו, אינו חייב באחריותן. ואין משנה, פה קומפליקה, מאקסטרמנט ריש, הלכות, סוג'ה. Il va y avoir trois thèmes essentiels qui n'ont pas de rapport forcément entre eux. Trois thèmes que chacun d'eux pourrait prendre une bonne demi-heure, une bonne heure d'explication. Mais on va bien sûr essayer de faire ça le moins long, ou même essayer le plus vite, on peut peut-être le dire aussi. Mais en tâchem. Trois sujets. On commence déjà par le premier... Peut-être qu'on dit d'abord les têtes de chapitre. Premier sujet, ça va être comment déceler est-ce que la personne qui vient réclamer la trouvaille, on peut lui faire confiance et lui rendre la trouvaille ou non. Deuxième sujet va être les frais d'entretien de la trouvaille. Et le troisième sujet, ça va être un cas particulier des frais d'entretien. Dans le cas où on a décidé de vendre la trouvaille et donc on a récupéré de l'argent qu'on devra rendre au propriétaire, est-ce qu'on a le droit d'utiliser cet argent? D'accord? Voilà les trois thèmes de notre Mishnah. On va essayer, Bezrat Hashem, de le faire le plus clairement et le moins long, comme ce qu'on a dit. On va le faire déjà dans les mots. Amar et Aveda velo Amar Simaneha lo itenlo. Supposons que j'ai trouvé quelque chose et j'ai dit, ah, j'ai trouvé quelque chose. Et quelqu'un vient il me dit, ah, peut-être que c'est tel objet. Donc il me définit l'objet que lui-même a perdu. Mais il ne me donne pas de signe distinctif de l'objet. La Mishnah nous dit, Amar et Aveda, s'il a dit, quelle est la sorte de l'objet? Velo Amar Simaneha, mais il n'a pas donné de signe distinctif. Loitenlo, tu ne pourras pas lui rendre. Il y a ici, c'est pas un problème de confiance. Il est possible que la personne a effectivement perdu sa montre. Et donc, il y a ici une bonne relation à faire. Il a perdu une montre et moi j'ai trouvé une montre. Mais d'un autre côté, il m'a pas. C'est vrai que j'ai trouvé une montre, mais qui me dit que cette montre lui appartient? Il doit commencer à défaut de ramener des témoins, la Torah n'a pas imposé de ramener des témoins. Il pourra me donner un siman. Mais un siman, c'est au moins me donner un signe qui va commencer à me dire cette montre singulière, il y a quelque chose dessus. Et donc, la Mishnah rallonge beaucoup, la Gemara rallonge énormément pour nous donner des exemples de signes. C'est un sujet assez fin et complexe que personnellement, j'ai toujours du mal à chaque fois que j'étudie ces Gemarot à trouver exactement la définition exacte du signe distinctif. Mais en tout cas, il faut quelque chose de personnel, de singulier. Par exemple, un livre qui sort de l'imprimerie où tous les livres sont les mêmes, identiques. Alors, si je te dis que, ah, tu as trouvé un livre, c'est une Mishnayot, Zecher Chanoch Nezikin Aleph, ben, c'est toujours pas un signe distinctif. Même si finalement, il y a, une douzaine de livres qui ont pu sortir, et il y en a en plus de ça 10 maisons d'édition, malgré tout, c'est toujours pas un signe distinctif. Donner un signe distinctif, c'est me dire, et il est un peu sale. D'accord, c'est délicat, c'est sûr qu'il y a une finesse. Mais en tout cas, là, la Mishnah nous donne quand même un axiome assez simple. Le fait d'avoir uniquement dit le type de l'objet sans m'avoir donné de signe distinctif de siman ne suffit pas pour le lui restituer. Ensuite, donc lo iten lo, il ne lui rendra pas. Deuxième partie de la Mishnah maintenant. Quelqu'un qui vient et qui est réputé pour être ramaï, rusé, pas honnête. Donc, vera ramaï, afalpisha amar simanea, même s'il vous dit un signe distinctif, il va dire oui, c'est une Mishnah qui est un petit peu, elle a été un petit peu dans les premières pages, il y a un petit coup de stylo. Bah, il a donné, ouais, je donne un exemple, je sais pas si c'est bon, en tout cas, il a donné un premier exemple à un signe distinctif, elle est un peu usée dans la première page, d'accord, c'est assez général, c'est en général, de manière générale, c'est un signe distinctif quand même, à partir duquel on pourrait se fonder pour le rendre, mais malgré tout, bah, Ramaï, même le Ramaï, donc le Ramaï le rusé, même lorsqu'il donne un signe distinctif, lo, il ne le lui rendra pas. Pourquoi? Parce que la Mishnah nous dit, la Torah nous dit, Shenemar adrosh achicha oto, jusqu'à que ton frère vienne le réclamer.
On va sortir prochainement le chumash pour retrouver dans les mots, parce que la suite de la Mishnah aussi dépendra de ça. Pour le moment, on finit cette première partie. Donc, Adchetidrosh, qu'est-ce que ça signifie Adrosh Achichaoto, jusqu'à que ton frère vienne le réclamer. Mais la Torah a utilisé le mot Drosh pour dire réclamer, mais Drosh, ça veut dire aussi analyser, jusqu'à que ton frère vienne. Ouais, ça vient en fait te dire Adchetidrosh et Achichaoto. Jusqu'à que toi, tu vas analyser, tu vas déceler est-ce que cette personne, c'est Imramay ou Imenoramay. Est-ce que c'est quelqu'un de rusé ou non? Concrètement, la halakha aussi, je le rapporte tout de suite, c'est apporté ici par le Tiferet d'Israël. Il devra, quelqu'un qui est réputé pour être Ramay, que tout le monde, c'est quelqu'un de connu qui n'est pas honnête, qui n'a pas de problème par-ci, par-là, à prendre les biens des autres. De ce fait, on ne peut pas se fonder sur sa parole. Et pour pouvoir lui restituer une trouvaille, il devra apporter des témoins comme quoi, soit que l'objet lui a appartenu, soit apporter des témoins comme quoi que c'est quelqu'un qui est finalement, même s'il a un mauvais nom, une mauvaise renommée, mais qu'en réalité il est quelqu'un d'honnête, il devra nous rapporter des témoins. Ou sinon, si Frère Israël rapporte, qu'il pourra donner cette fois-ci un siman mouvhak, un signe très distinctif. Pas simplement me dire un livre rayé, mais me dire, ah, tu verras qu'à la page sur la Mishnah, voilà, on va prendre un exemple concret, à la page 126, donc sur la Mishnah de Perek Bet, Mishnah He, et à la base j'avais souligné la Mishnah que j'ai étudiée, Biduk hier, j'ai souligné là-bas les deux dernières lignes, pour mettre en relief un chidouche qui était rapporté ici. Et dans ce cas-là, on pourra le lui rendre, parce que c'est un signe distinctif, mais mouvhak, précis. D'accord ? Donc, si on récapitule maintenant, succinctement, on a pris déjà deux notions. C'est le même thème, mais en tout cas, deux notions on a pris dans cette Mishnah, qu'on ne rend qu'à partir d'un signe distinctif, quelque chose de personnel par rapport à cet objet, mais un signe, dire simplement le fait que tu as trouvé tel objet n'est pas encore un signe suffisamment fiable, parce que on remet pas, comme on a dit, on ne remet pas en cause le fait que tu as peut-être perdu l'objet. Mais qu'est-ce qui me dit que l'objet que j'ai trouvé, c'est bien celui que tu réclames ? Jusqu'à ce que tu me dises quelque chose de personnel, de caractéristique de l'objet lui-même, dans sa singularité par rapport à d'autres objets semblables. Et à part ça, on a appris aussi la halakha, comment fait-on pour rendre à quelqu'un de malhonnête, qu'il faudra donc forcément qu'il ramène soit des témoins, soit donner un signe très précis. Maintenant, nouvelle partie de la Mishnah, et cette fois-ci, on va sortir le Chumash. Donc, dans la paracha, on a déjà dit, dans la paracha de Kitetsé, Perek Kavbet. Dans Dvarim, Perek Kavbet 22. On avait rapporté déjà le premier pasouk et le troisième pasouk. Il y a trois versets de la Torah qui parlent de ça. Et puis maintenant, on va mettre le focus sur le pasouk bet. Il y a marqué comme ça. Donc, je reprends le premier pasouk. L'otiret shor achicha o etzeyon idachim vitalam tamehem achev teshivem la achicha. Tu ne verras pas le taureau de ton prochain ou son mouton se perdre, et tu fermeras les yeux et donc laisser ton ami perdre complètement son argent, mais plutôt Hashev Teshivem Lachicha, va les restituer à ton frère, à ton prochain. Entre parenthèses, le style de du pasouk est relativement lourd, parce qu'il y avait un intérêt de donner une mitzvah assez et une mitzvah lota assez, de donner donc une mitzvah, ça se traduit en mitzvah négative et mitzvah positive. Exprimer la Torah, exprimer cette mitzvah avec un lo, alta aseze, donc ne ferme pas les yeux, et avec aussi une mitzvah tassé, va lui rendre. Et il y a des raisons pourquoi on apprend, en tout cas c'était à titre indicatif. Ensuite, la Torah continue de dire, Ve'imlo karov achicha elecha, ve'lo yedato. Et si ton frère n'est pas proche de toi, il est parti à l'étranger par exemple, d'accord ? Ou encore, velo yedato, ou bien tu ne sais même pas qui il est. Alors qu'est-ce que tu feras avec ce chor, avec ce taureau, ou avec ce mouton ? Ve'asaftol toch betecha, et tu l'amèneras chez toi, l'animal tu l'amènes chez toi. Ve'ayaymecha adrosh achicha oto, et tu le garderas avec toi jusqu'à adrosh achicha oto, jusqu'à que ton frère vienne le réclamer. En réalité, la Torah elle utilisait une forme un petit peu originale, comme ce qu'on vient d'apprendre à l'instant. Adrosh achicha oto, drosh et achicha. Analyse celui qui vient le réclamer, vachevoto lo, et quand il le réclamera, alors vachevoto lo. Notre Mishnah, maintenant, on va mettre le focus sur la dernière expression
Vachevoto lo. Et tu le lui restitueras. Au lieu de me dire Vachev lo, rends-lui l'objet, l'animal, il y a marqué, et tu le rendras. Il y a une insistance, d'accord? Il y a une insistance sur ce verset. Donc, la Torah me dit, si tu ne sais pas qui est le propriétaire, tu le prends chez toi, tu le gardes, et tu le gardes, et tu le lui rends. Et il y a une insistance. De là, on est dû une halakha très importante et très logique. En deux mots, c'est ce que la Mishnah va nous rapporter plus loin. Ré'e he'ar teshivenu. Veille à la manière dont tu le lui restitues. Par exemple, supposons qu'il m'a laissé un petit poisson rouge, d'accord, et je l'ai gardé chez moi, donc il a perdu un petit poisson, un bocal, je l'ai gardé chez moi, et puis quand je vais le lui restituer après 15 ans, le poisson, c'est resté le même petit poisson rouge, il est encore vivant, je l'ai bien entretenu, mais je vais lui sortir une facture de 1200 shekels de frais de nourriture à poisson et de vétérinaire aussi pour le vacciner. Alors là, c'est un délire, parce que le petit poisson rouge, eh bien, il valait mieux le vendre à 10 shekels au voisin, tu m'aurais rapporté une petite pièce de 10 shekels, et c'est pas grave, on aurait résolu le problème de cette manière. Là, t'es parti dépenser 1200 shekels pour entretenir, il n'y avait aucune nécessité à faire quelque chose de pareil. Vous êtes d'accord? Donc la Torah, en insistant pour me dire, va chez Votolo et rends-le-lui, la Torah elle est venue m'apprendre, attention, rends-le-lui, mais avec de la logique, avec de la jugeote, ne fais pas n'importe quoi. Et alors là, la Gemara allonge beaucoup pour nous donner plein de paramètres à considérer, qui vont se fonder sur le rapport qualité-prix, sur les prix, le prix de l'entretien, combien ça vaut le coup de dépenser pour l'objet. Et on va se retrouver avec, tout d'abord, première règle qui est rapportée dans la Mishnah, donc on le fait tout de suite dans les mots, « Kol davar she'osev ve'ochel » Si tu trouves un objet qui est capable de produire et de payer ses frais d'entretien avec le frais de sa production, ne pose pas de question. Fais-le travailler et nourris-le avec. Donc, ça peut être tout d'abord une vache avec son lait. Tire le lait. D'accord? Et vend le lait. Et avec ça, paye les frais d'entretien, si ça couvre, c'est super. Donc tu continues à entretenir la vache le plus longtemps possible, il n'y a pas de problème. Maintenant, ça peut être aussi avec un taureau, fais-le travailler, et tu vas le louer pour 300 shekels une journée, grâce à ça, tu vas lui donner à manger pendant une semaine, et payer aussi les frais de gardien, supposons, d'accord? Donc, débrouille-toi, regardez la gestion phénoménale que la Torah nous demande de faire, quoi. En tout cas, c'est imposé par la Torah. Entretien, pourquoi? On va le faire, on va expliquer, mais d'abord on le fait le cas prochain. Vedavar she'enosev ve'ochel imacher. Quelque chose qui ne produit rien, qui ne produit pas assez en fait pour manger, alors imacher, tu pourras le vendre. Tu devras le vendre, c'est pas que tu pourras, tu devras le vendre. Le cas, on va prendre un cas grossier d'abord avant de traiter les cas intermédiaires. Donc on a parlé d'abord du cas du taureau, de la vache, du taureau qu'on est capable de louer une journée par semaine, qui fait entrer les 300 shekels, les frais du foin et de tout ce qu'il faut, vétérinaire, entretien, pour l'entretenir pendant une semaine, c'est super, donc tu loues une journée, et une semaine, il se nourrit grâce à cette journée. Ensuite, quelque chose qui produit rien du tout, d'accord? Alors, d'abord, chez nous, c'est quelque chose qui produit rien du tout, dépêche-toi vite de le vendre. C'est le cas du poisson rouge que j'ai évoqué tout à l'heure, il fait rien de productif, d'accord? Donc, vends-le vite et récupère l'argent. Pourquoi? Chez Neymar, va chez Votolo. Parce que la Torah insiste en nous disant va chez Votolo et rends-le-lui, c'est-à-dire rends-le-lui, pas uniquement l'objet, mais rends-le-lui l'objet avec sa valeur, avec son. D'accord? Tout son prestige, tout son valeur, sa nécessité qui rend. Si tu me ramènes le petit poisson avec une grosse facture derrière, c'est vrai que tu m'as rendu le petit poisson, mais tu ne m'as pas rendu la valeur du poisson. C'est une folie ce que tu m'as fait. D'accord? Donc, Ré'ehar teshivenu lo. Il y a maintenant, je vous fais rapidement, je vous rapporte tout ce que le Barthénora résume de la Gemara. En fait, ça sort. En réalité, on a pris deux cas extrêmes, mais il y a plein de cas intermédiaires qu'il va falloir considérer le temps que ça prend, par exemple, pour se réhabituer à un animal. Supposons par exemple que j'ai pris le cas d'une vache qui donne du lait. Une vache qui donne du lait, elle doit être de bonne humeur, bien manger, avoir des bonnes copines dans ma ferme, être en pleine forme, quoi, être sympathique, et comme ça, elle produit des bons,
son cycle d'hormones très bien, elle est capable de me produire du bon lait. De ce fait, lorsque je trouve, moi, votre vache laitière, je la trouve, alors là, vous allez me dire, supposons que par exemple le lait qu'elle produit ne suffit pas à couvrir tout ses frais, d'accord ? À la longue, ouais, bien sûr, tant qu'on en a, c'est super, mais à la longue, on risque de perdre le change. Alors là, on va se retrouver dans une situation un peu délicate. Alors la Mishnah, la Gemara va nous dire, regarde, selon le cas, parfois ça vaut le coup que tu vas préserver l'animal pendant une semaine chez toi et seulement après tu le vends si tu vois que ça traîne trop longtemps, ça commence à trop traîner. Ça vaut le... Ouais, dans d'autres cas de figure, on va te dire, tu sais quoi, patiente 30 jours, ça te coûte rien. Des fois on va te dire, patiente même un an, selon le cas. Pareil aussi pour une poule qui pond des œufs. Si elle est dans son ambiance, elle pond bien, elle pond largement. De ce fait, le propriétaire est prêt à dépenser un petit peu de son argent, à perdre un petit peu de la valeur de sa poule, donc le payer de sa poche les frais d'entretien pour une poule, de telle façon à ce que lorsqu'il va récupérer sa poule, il va pouvoir tout de suite la remettre dans son poulailler et elle va se remettre à pondre, elle va redevenir productive. Tandis que si tu te mets à la vendre tout de suite, c'est vrai que tu vas me rapporter la valeur de la poule, sans shekel. C'est sympathique, grâce à ça je vais partir acheter une autre poule pondeuse. Mais qu'est-ce que je vais lutter jusqu'à qu'elle va commencer à recommencer à pondre quand elle va arriver chez moi dans ma ferme, enfin dans mon poulailler. De ce fait, j'ai un intérêt à récupérer cette poule-là. Tandis que le coq, lui, là où il est, il sait faire le beau et draguer les petites poules. De ce fait, j'ai pas d'intérêt à récupérer monsieur ce coq sportif. J'ai pas de problème. Vends-le au bout de 3 jours si tu vois que tu n'es pas venu, tu le vends tout de suite. Et ramène-moi l'argent et puis je rachèterai n'importe quel coq, il fera le même travail que le coq est capable de faire. D'accord ? Ça, c'est des considérations à prendre. Il va y avoir, selon ça, on va distinguer par exemple des animaux d'élevage ou bien des animaux qu'on engraisse uniquement pour en tirer la viande. L'animal d'élevage, lui aussi, il doit être en pleine forme, être heureux dans son ambiance, dans son écosystème, être heureux chez moi, se sentir à l'aise pour pouvoir continuer à gambader dans les champs, dans les prés et produire. De ce fait, quand c'est un taureau d'élevage ou un animal d'élevage, alors tu devras le conserver plus longtemps, quitte à dépenser un petit peu une partie de sa valeur. Supposons par exemple qu'il coûte 1000 shekels, alors ça vaut le coup malgré tout que quand je vais te le rendre, je vais te glisser un petit billet de 200 shekels ou de 300 shekels, mais au moins que je récupère cet animal que très rapidement il va se retrouver dans son cadre pour recommencer à produire de la manière dont il produisait. À la différence d'un taureau qu'on engraisse pour le manger uniquement, alors on ne lui pose aucune question, il est là toute la journée, on est en train de le goinfrer, jusqu'à qu'à la fin, on l'égorge et on le mange. Dans ce cas-là, tu trouves un taureau pareil, dépêche-toi vite de le vendre, de récupérer sa valeur, et rapporte-moi la valeur, j'achèterai un autre taureau et puis je le rééduquerai. C'est des considérations, on verra ensuite les applications concrètes quand on fera le Bartanora. Ça, c'était pour la deuxième partie de la Mishnah. Troisième partie de la Mishnah maintenant, là, c'est pas que ça se complique, mais c'est que la Mishnah, c'est fréquent dans la Mishnah. C'est d'ailleurs toute la Chochma de Chazal, un des points importants de la Chochma de Chazal, c'est d'être capable avec des petits mots, inclure des halachot, mais alors il y a de quoi écrire un livre entier. Et là, c'est ce qui se passe en fait. La Mishnah va nous projeter dans une situation où on va devoir déduire d'abord des tas de halachot, d'abord de bases à partir desquelles cette Mishnah va se fonder. Il y a une sugya importante. On fait ça très rapidement. Je vous dis d'abord l'introduction à la Mishnah. Qu'est-ce qui se passe de manière générale lorsqu'un homme trouve de l'argent? Un homme qui trouve de l'argent, d'abord. Donc, on va parler de deux points maintenant. Tout d'abord, il n'a pas le droit d'utiliser cet argent. Parce qu'il a trouvé de l'argent, c'est pas à toi, ça appartient à son propriétaire, c'est ses pièces à lui, tu le gardes, tu lui rends. Entre parenthèses, si on entend que l'argent va se faire dévaluer, il va se faire modifier comme c'est fréquent de temps en temps, on supprime les anciennes pièces, ou bien on change de monnaie, on passe du franc à l'euro, ou de la livre au shekel, ou des choses comme ça. Alors bien sûr, là, c'est la Mishnah précédente, la partie de la Mishnah qui nous a dit Ré-Erté-Chivé-Noulo, dépêche-toi vite, vite, vite d'aller changer et de lui rapporter quelque chose qui aura gardé sa valeur. Au lieu de ramener le vieux billet avec la photo de Napoléon, même si aujourd'hui ça coûte cher, mais quand même, d'accord ? Ça, c'était pour la introduction. Deuxième point à introduire. Lorsque tu gardes l'argent, tu n'as pas le droit de le dépenser. Tant que c'est l'argent du propriétaire. L'argent trouvé. Sache que tu es responsable de le garder. Tu as un niveau de Shomer Sahar. On a déjà fréquemment rapporté les halachot de Shomrim.
On est maintenant dans Baba Metzia. D'ici quelques prakim, on va parler à fond de ça. En tout cas, il y a deux, pour le moment, il y a deux niveaux de gardiens. De gardiens simples. Ce qu'on appelle le Shomer Chinam et le Shomer Sachar. Shomer Chinam, c'est un gardien gratuit. Il vous rend service. Quand il prend l'objet qu'il surveille, il doit le garder avec un certain niveau. S'il fait une erreur grosse, et suite à ça, l'animal disparaît, il laisse par exemple la porte ouverte et l'animal s'enfuit, alors là, c'est de sa faute, il devra le rembourser. Mais si par contre, il a fermé de manière normale la maison, et il y a eu un voleur qui est rentré, il n'avait pas l'obligation de rester là en train de faire des rondes avec son revolver autour de l'animal pour le préserver, étant donné qu'il était gardien gratuit. À la différence du chômeur Sahar, un gardien qui est rémunéré. Puisque tu es rémunéré pour surveiller, surveille bien. De ce fait, tu dois veiller à ce qu'il n'y ait pas de voleur qui s'introduit. Par contre, s'il y a un voleur qui s'introduit avec une mitraillette, ou même un revolver, ou un couteau même, alors là, tu n'as plus d'obligation de faire de la messirut nefesh, de te laisser tuer pour ça. Donc, tu lèves les mains et tu lui dis, Bechavod, prends la vache. D'accord ? Ça, c'est le Shomer Sahar. On apprendra qu'il y a un niveau de garde encore plus fort que ça, qui est le Shoel. On ne va pas rentrer dans trop de détails, mais c'est quelqu'un qui tire un profit maintenant de l'objet qu'il garde. Supposons maintenant que vous l'avez prêté la vache pour la bourrer, par exemple. Et donc, maintenant, puisqu'il tire un profit, alors il doit encore plus surveiller, pour rester sur mon cas un peu farfelu du voleur avec la mitraillette. Alors, même si le voleur vient avec la mitraillette, il devra bien sûr... Il pourra le laisser prendre la vache, mais en tout cas, il devra ensuite rembourser de la vache. C'est ce qu'on dira que Shoel Chayav Beonsin. Ça, c'était la parenthèse de l'introduction avant de revenir sur la Mishnah. On referme la parenthèse, et puis maintenant, on revient sur l'introduction. Un gardien de Aveda, lorsque je trouve un objet, je dois le surveiller avec un niveau de surveillance de Shomer Sahar. Je serai responsable si l'objet se fait voler. Il y a des raisons pourquoi, on ne va pas rallonger dessus du tout. C'est une sugya déjà assez compliquée dans la Gemara. Mais en tout cas, j'ai un niveau de Shomer Sahar, je suis bien engagé dans le niveau de surveillance requis, et je serai Chayav, donc sur Gneva Aveda, si l'objet se fait voler ou s'il disparaît, même si j'ai quand même pris certaines mesures, mais je devais prendre beaucoup de mesures pour être dispensé complètement. Ça, c'est de manière générale. Donc, si je récapitule maintenant les deux points qui m'intéressent pour cette Mishnah, premièrement, je n'ai pas le droit d'utiliser l'argent que je trouve. Et deuxièmement, je suis chayav, je dois surveiller et je dois garantir donc l'objet que je garde. Je dois le garantir que s'il y a un voleur qui vient me le prendre, je serai chayav, je devrai le rembourser. Lorsque la personne viendra et réclamera, elle me dira « Peut-être que tu as trouvé ma montre ?» Je lui dirai « Ah oui, j'ai trouvé ta montre. » Ou bien « Oui, j'ai trouvé ton enveloppe où il y avait là-bas tes 200 shekels, mais... » Il y a eu un voleur qui s'introduit par la fenêtre et qui l'a volé pendant la nuit, je devrais le rembourser parce que je suis chômeur Sahar. Ça, c'était l'introduction. Par contre, si je me suis fait braquer, je ne devrais pas lui rembourser les 200 shekels. Je vais dire oui, c'est vrai que j'ai trouvé un 200 shekels dans une enveloppe, il y avait un siman, ça t'appartenait, mais il y a eu quelqu'un qui est venu qui m'a braqué et donc je levais les mains et je lui dis vas-y, prends. Et je ne serais pas chayav parce que cette fois-ci j'étais chômeur Sahar. Arrive enfin notre Mishnah. Et se rattache sur la Mishnah précédente, la partie de la Mishnah précédente, où on a vu que dans certains cas de figure, je dois vendre l'objet trouvé. Lorsqu'il va y avoir des pertes pour le propriétaire, si je garde l'objet, comme le cas du poisson, il va se retrouver avec une note très salée pour pouvoir avoir entretenu quelque chose qui coûtait 10 shekels. C'était une folie. Donc, j'avais le droit de le vendre. Et j'ai récupéré les 10 shekels que je dois lui garder. Il y a une discussion maintenant dans notre Mishnah. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser cette pièce de 10 shekels ? Rabbi Tarfon va me dire oui. Rabbi Akiva va me dire non. Selon Rabbi Tarfon, il va me dire puisque tu as, toi, vendu, c'est pas l'objet perdu, c'est la contre-valeur. Alors, la propriété du vrai propriétaire sur cette pièce de 10 shekels, elle est moins fixe dessus. De ce fait, tu as le droit de l'utiliser. Et parce que tu as le droit de l'utiliser, tu seras désormais... tu augmenteras ton niveau de surveillance. Que, pour rester avec mon illustration, si je me fais braquer avec la mitraillette et que je donne cette pièce de 10 shekels, eh ben, je devrais la rembourser au propriétaire. Pourquoi ? Parce que, étant donné que j'avais le droit d'utiliser la pièce, on va considérer qu'en fait, expliquer ça un peu vulgairement, mais puisque c'était plus sa pièce, en réalité, maintenant, j'ai une dette envers lui de 10 shekels, mais pas forcément cette pièce. Cette pièce, j'ai le droit de l'utiliser et d'en faire autre chose.
et lui donner une autre pièce. C'est plus fixé sur cette pièce. À la différence que lorsque j'ai trouvé l'enveloppe avec son 1200 shekels, le 1200 shekels, c'est le sien, c'est pas le mien. J'ai pas le droit en théorie de lui prendre. De ce fait, tant que je le laisse tel quel, si je me fais braquer, ben, c'est ton objet que tu as perdu. Par contre, si j'avais de l'argent, que j'avais le droit de l'utiliser, alors c'est comme si que vous m'avez prêté de l'argent. Et en sortant de chez vous, je me suis fait tabasser et récupérer l'argent. Je vais pas venir vous dire, donne-moi un autre argent, c'est mon argent à moi qui a disparu. Et moi, ma dette, elle reste là. Alors c'est la même idée. Lorsque j'ai vendu l'objet et j'ai récupéré la contre-valeur, d'une certaine manière, j'ai le droit, moi, de l'utiliser. Et lorsqu'il viendra finalement réclamer son argent, je devrai lui donner de mon portefeuille, de mon porte-monnaie, mais pas cette pièce spécifiquement. J'ai un peu vulgarisé, mais en tout cas, ça nous aide à bien comprendre la Mishnah. Mayehe bedamim. Donc la Mishnah maintenant nous dit comme ça. Mayehe bedamim. Qu'est-ce que tu feras avec la contre-valeur de la trouvaille que tu as vendue, rapportée dans le cas précédent? Rabbi Tarfon nous dit Ishtamesh ben. T'as le droit de les utiliser, t'as le droit de les dépenser si t'en as besoin, pourquoi pas. Les fikar, puisque tu as le droit d'utiliser. Imavdu chayav bachariyotan. S'ils ont été perdus, tu seras responsable de les garantir, parce que c'est ton argent qui a disparu. Attention, s'ils ont été perdus, même avec un cas phénoménal, oui, il y a eu un missile qui est tombé dessus, quelque chose d'imprévisible complètement, d'accord? C'est précisé dans la Gemara, ça rapporte dans le Tosfot Yom Tov. Par contre, Rabbi Akiva nous dit, Rabbi Akiva Omer, lo ishtamesh ba'en. Quand tu récupères la contre-valeur, cette pièce appartient à son propriétaire, tu dois la garder telle qu'elle et la lui rendre, tu n'as pas le droit de l'utiliser. De ce fait, les ficar et mavdou, s'ils ont été perdus, bien sûr, comme précédemment, ils ont été perdus par un cas phénoménal, imprévisible, alors, enochayav bachariotan, tu ne seras pas porté garant. Tu seras uniquement un chomer sahar, que si tu les as perdus avec une responsabilité quand même, qu'on peut te reprocher, alors bien sûr tu devras le rembourser, c'est normal, parce que tu étais chomer sahar. Mais en tout cas, tu n'auras pas cette particularité que même si tu te fais braquer, que tu seras porté responsable, étant donné que tu n'as pas le droit de l'utiliser. J'espère que c'était clair, et puis on fait rapidement le Bartenora Bezat Hashem. Le Bartenora n'explique rien sur la première partie de la Mishnah, avec l'histoire de la Veda, et de dire le bon signe distinctif, et de comment déceler le ramaï. D'accord, il dit rien, il nous projette directement sur la... C'est une question entre parenthèses, il y a Rebecca Weger ici qui se casse la tête sur le Bartenora et le Tosfot Yom Tov, qui n'ont pas expliqué, qui n'ont rien expliqué sur ce début de Mishnah. Nous, pour notre propos, on continue la suite. On est passé dans la deuxième partie de la Mishnah maintenant. Kol davar shoseh ve'ochel, ya'aseh ve'yochal. On avait dit, tout objet, toute trouvaille qui produit suffisamment pour couvrir ses frais d'entretien, donc she'oseh, qui fait ve'ochel et qui mange, il est capable de faire assez, de rapporter assez de produits pour se consommer. Im ha'aveda davar she'yecholim la'achilo etzhar ma'asav, le Bartenora nous explique. Si la perte, l'objet perdu, donc la trouvaille, et d'avoir une chose, qu'on peut le nourrir par le salaire de ses actions. Kegon, shor vechamor, comme un taureau ou un âne. Alors yaseh veyochal, fais-le travailler, veyochal, et donne-lui à manger. Veloim kor oto amotse, et celui qui les a trouvés, ne les vendra pas. Shekol adam, noachlo bebehemto, Sheikirabo kvar velimda lirtsono. Car tu lui fais un coup de crasse si tu te mets à lui vendre son taureau, son fidèle cheval avec lequel il galope depuis maintenant des années. Il le connaît tellement bien, à peine il siffle et directement tornado, il vient tout de suite. Donc tu lui fais un... c'est pas sympa si jamais tu te vends et tu lui rapportes la valeur d'un cheval. Il va devoir acheter un cheval, il va devoir le dresser, ça va être une folie pour lui. Donc chez Koladam, toute personne, noachlo bebehemto. Il est à l'aise avec son animal, Shehikirabo, avec qui elle le connaît bien, Kvar, déjà. Velim dalirtsono, il a éduqué à sa manière. Veno chayav lehitapel ba leolam. Attention, le Bartenora vient nous dit, attention. Eno chayav lehitapel ba leolam. On ne t'a pas demandé non plus de devenir un esclave éternel de cette trouvaille, attention. Et là, chaque animal a sa limite. Tarnegolet ou Behemagasa, une poule, donc, qui pond des œufs, ou Behemagasa, ou encore une vache. Mais t'appelles bas, Shnemasar Chodesh. Veille à t'en occuper quand même pendant 12 mois. Après les 12 mois, tu vends, tu récupères bien sûr tes frais de dépense, si on a eu un petit peu, et après, tu prends cet argent et tu le laisses pour le propriétaire.
Agalim usiachim shel ra'aya. Maintenant, si c'est des agalim, des chèvres. Usiachim, siachim, c'est des petits ânes. Shel ra'aya, que tu, pour élevage, que tu fais paître uniquement pour élevage. Klomar she'en veganin notam le fatem. C'est-à-dire qu'on ne fait pas, qu'on n'élève pas pour les engraisser et les vendre ensuite. Vechen gdaim utlaim. Ou encore, des petits veaux ou des moutons. Ouais, je traduis plus exactement là. Donc, mais t'appelles Baem, je le cherche au Dachim, tu pourras aussi les entretenir. Tu devras les entretenir pendant 3 mois cette fois-ci. Pour le premier, les deux premiers cas, la vache et la poule, on t'a dit 12 mois. Pour cela, maintenant, on te dit 3 mois. Il faut quand même un certain. J'ai un feeling avec mon troupeau, mais ça va quoi. Pas la peine de patienter pendant 12 mois. Au bout de 3 mois, c'est pas grave. Ça vaut plus le coup que tu. On peut t'excuser si t'as besoin de les vendre pour arrêter de devenir, de travailler tous les jours et de te mettre à les gérer. Ve'agalim shel patam. Par contre, si c'est des agalim, des veaux de patam, patam que tu engraisses, les fatem, quelque chose, c'est de l'engraisser pour le manger. Mais t'appelles baem shloshim yom, uniquement 30 jours, pas 3 mois. Avazin ve'tarnegolim zchariim. Maintenant, des avaz, des canards et des tarnegolim, des coqs. Mal, actanim, metapel baem, shloshim yom. Tant qu'ils sont petits, donc il y a peu de frais, tu les gardes pendant 30 jours. Veagdolim, shochim arbe, metapel baem, shlosha yamim. Et les grands qui vont que de manger, tu les gardes pendant 3 jours. Mikan ve'elach. Ensuite, lokeach otam hule atzmo, beshuma, kefishovian. Il pourra les prendre pour lui-même, donc les acheter lui-même par exemple. Beshuma, en les faisant évaluer kefishovian, selon leur valeur exacte, le bedin fixera, ou mochran la'achirim, ou menia chadamim etzlo, ou encore, il pourra encore les vendre à une tierce personne et garder cet argent chez lui. L'efikar, imavdu chayav bachriyudan. De cette façon, ça rapporte sur la dernière partie de la Mishnah, où on a dit, puisque maintenant, tu t'es retrouvé dans cette situation où tu as vendu la trouvaille, tu as récupéré de l'argent. Rabbi Tarfon nous dit, tu as le droit de les utiliser. Et c'est pour ça que les ficar, de ce fait, imavdu chayav bachriyudan. Si cet argent que tu as récupéré, tu l'as perdu ensuite, donc même béonès, même quelque chose d'imprévisible, comme le cas du. D'accord, tu t'es fait braquer par quelqu'un. Kevan des charou, alors tu seras responsable, tu devras les garantir. Kevan des charou, les rabbanan nishtamu shebaou, puisque Khamim t'ont permis de les utiliser. Afalgav de l'ouishtamesh bahen, kevan des ishtamesh dami. Même si tu ne les as pas encore utilisés, mais malgré tout, puisque tu as le droit de les utiliser, alors on considère que c'est comme si tu les avais déjà utilisés. Vechayav bachriyutan, et tu seras donc responsable, tu devras les garantir. Ve'alacha ki Rabbi Tarfon bidmei aveida shemachar. Le Bartanon dit, sache que l'alacha est comme Rabbi Tarfon, mais il nous précise, attention, on ne parle que bidmei aveida shemachar, la contre-valeur de la trouvaille qu'il a vendue. Aval ma'ot atzman shel aveida. Par contre, l'argent qu'il a trouvé, comme le cas de la Mishnah dans la Mishnah précédente, où il a trouvé de l'argent par terre, et il y avait un signe distinctif, donc il devait le garder, il pouvait pas l'utiliser pour lui. Il y a un signe distinctif, c'était dans une enveloppe, c'était dans un arnaque, dans une bourse. Alors cela, kegon shematsa ma'ot bekis, comme par exemple s'il a trouvé de l'argent qui était dans une kis, dans un portefeuille. O shlosha matbeot zealgav, ou bien qu'il y avait encore 3 pièces l'une sur l'autre. Loïchtamesh ben Glal, tu n'as pas le droit de les utiliser, et de ce fait, tu ne seras pas non plus porté responsable au cas où il y a eu un accident imprévisible. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, rendez-vous demain, Kol Tov, c'est là.